collaborateur du Chicago et haïtien Jean-Baptiste Point du Sable. Alors, il y a un qui est Jean-Baptiste du Sable, il y a un qui est Jean-Baptiste Point du Sable. Mais encore une fois, avec Chicago, par exemple, suspendre, rendre ce hommage pour effort ça. Intersection Michigan Avenue avec Illinois Avenue et à droite on a le journal, le journal et Chicago et le Chicago Tribune. Donc là nous sommes exactement sur ce point là et en bas là il y a un bateau là qui a passé dans le fleuve là, c'est le Chicago là. Et ça c'est tout, si on veut dire tout ici, quand plus de monde a marché, monté, descendu là, et il y a un petit bateau mouche qui a pris des gens flâner. Donc soit habitué à forcer de visite, il y a des côtés qu'on doit aller, ou qu'on est normalement, ou qu'on fait visite, et puis au cas où on monte en bateau mouche. Et par exemple, soit à Paris, ou qu'on peut visiter la Seine, ou qu'on peut visiter sur la Seine, sur le Washington DC, ou qu'on peut visiter Potomac, ou qu'on peut monter sur le Potomac là pour flâner. Et puis au pays au bas autour. Donc voilà, nous là, nous ici à là. Alors pour ça que nous venons de Chicago encore une fois. Je crois que ça fait 3e année depuis ce service là. Quelle initiative là, justement, pour permettre que VOA vienne pour décoller avec l'organisation qui fondait encore Heritage Foundation, qui est du Sabla, qui met des sous-pieds pour faire un statut, pour honorer et travailler ça au bénéfice pour ça. Jean-Baptiste Point du Sable fait. Voilà, c'est vraiment dans le cadre de tout ça. C'est ça, tu. C'est portrait. C'est façon que je dis que monsieur. En fait, c'est comme ça que je dis l'ELT vient là, l'ELT est débarqué dans le fleuve Sakide, dominant là, au côté là, depuis devant. Et c'est là qu'il est débarqué. Et je dis que monsieur, c'est mort. Et dans le pays d'Haïti, c'est un explorateur. Surtout, c'était un homme d'affaires. Monsieur, c'était un. En fait, il y a un pile adjectif que vous mettez. Avec justement pour faire parler, de qui est ce monde, qui était Jean-Baptiste Point du Sable, qui est un commerçant. Mais on dit que c'était monsieur qui les bonjour, on savait, il prend un bateau et puis il prend un canon et puis il mettait il prend direction. Et direction prend, direction mène exactement dans la ville. Et c'est monsieur que l'histoire même dans Chicago, il reconnaît comme premier résident de la ville. Là. C'est pour les gens qui viennent, qui découvrent, qui font des villes là, parce que les villes là existent. Ils existent, mais ils existent sur l'autre nom. Il y a des gens qui habitent là-dedans. Mais là, M. Vinny, là, son côté que, qui a fait commerce, son côté que, qui a opportunité là-dedans, m'a pris là et m'a fait là, m'a changé là. Et c'est ça que, exactement, il était fait. Mais M. Mouin, dans son tout, il va jamais retourner en Haïti tout après. Après, je viens de faire ça. Donc, pratiquement, j'ai battu ça en 1818. Donc, ça veut dire que M. Degué, M. fait en 1745 et M. Mou en 1818. Donc, M. pratiquement Degué et 73 ans. Et, donc, M. Degué a pédalé toujours, mais il y a des grands paquets de circonstances qui sont bien présentés. Tout. Là, M. Vini, il y a des conflits tout, avec l'autre monde tout, qui voulait pour des paternité. Et l'initiative d'IA, et bien, on ne parle pas de la même dit que monsieur, même qu'elle même, même fait prison, même monsieur marié, monsieur était marié avec mon natif natal, zone, et monsieur vient déplacer, quitter là, là, l'autre côté, retourner. Mais quand il y a des gens qui dernière fois que je me parle avec le comité organisateur, le monde qui est dans la fondation, j'ai fait une fois que j'étais capable de venir avec 100 monsieur, ça veut dire que reste côté que nous tentons, monsieur, après que je vienne avec elle. Ah, mais c'est comme ça, et plus ça dans le cadre, c'est effectivement, c'est nous, en fait, nous espérons que nous sommes américains d'origine haïtienne, nous sommes les Leslie Bénodin. C'est Leslie Bénodin, c'est lui-même qui était pris l'initiative là, c'est lui-même qui était fait plus ça, elle était fait mairie à Cadol, mairie Chicago à Cadol, pour être capable de kembe et héritage. Fondateur ville là. Donc, Wesam Ninoa, donc c'est un Américain d'origine haïtienne qui fait plus là et il débat.
c'est laisse à monter des magistrats et puis là c'était Richard Daly qui était magistrat puis là mais et ça au bail m'a dit noir de Jean-Baptiste Point du Sap monsieur pratiquement sont africains caribéens parce que c'est comme ça de présenter le début monsieur son West Indies que le pays et bien pratiquement monsieur et fait dans ville Saint-Marc. Il était fait dans ville Saint-Marc, donc monsieur historien haïtien qui a fait recherche, il dit bon pour nous chercher une racine, Jean-Baptiste Point du Sap dans ville Saint-Marc, ou qui voit exactement ce qui était fait, mais recherche continue toujours pour joindre vraiment racine et Point du Sap dans Saint-Marc. Mais le monde qui boit ici, qui fait organisation, qui fait recherche pour ici, et bien, je viens que monsieur c'est dans ville qui était fait, et monsieur était fait là, et monsieur était là pratiquement. Par contre, date, mais on dit que dans l'année 70, monsieur était ouvert premier commerce dans Fleur ça n'a pas des domaines là, des qui là. Monsieur était ouvert premier commerce là, monsieur était venu dans ce moment là, et monsieur était ouvert là, et c'est comme ça que monsieur était venu établir dans Chicago. You want to say something? Non? You sure? Yeah, it's okay. Come on in. Do you know for Jean-Baptiste Point du Sap? Mande le sel comme Jean-Baptiste Point du Sap. Non, on va connaître. Ok, d'accord. Oui, donc, pratiquement, c'est ça que je veux. Donc, monument ça, c'est monument ça que je vais à Chicago. Et voilà, et c'est monument ça. Et pratiquement, il est établi depuis 2009. Mais Chicago était déjà et reconnaître et accepter Jean-Baptiste Point du Sap comme fondateur. Alors, il faut qu'on fait pour qu'on mette M. dans un niveau qui est élevé. Par exemple, pour grand là, c'est pour ça qu'il peut être non. Il peut être non, Jean-Baptiste Point du Sap. Petit point seul. Mais déjà, son une victoire pour les gens qui ont fait recherche pour l'organisation. Quand ils font l'autre, et cadeau, d'accord, une autre réalisation encore que City a encore, par Point du Sap pour le Noël. C'est un grand Lakeshore Drive, c'est une rue. Il est dans zone là, mais il y a Lakeshore Drive, mais il y a ajouté là dans le Kounia là, Lakeshore Point du Sap. Alors imaginons que nous avons parlé avec un Africain-Américain que je m'en copie, et puis je parle avec lui, je par contre, Point du Sap. Alors il parle de M. Point du Sap, il parle de l'autre, c'est bon. Ni monsieur, par contre, monsieur dit, oh, bien sûr. Et bien, ça, il me parle de l'échelle là, que vous venez ajouter, et Jean-Baptiste Point du Sap là. Donc, monsieur dit, mon cher, il était temps pour te faire bailler ça. Parce que monsieur était en pile bagaille pour vous, là, découvrir là, il fait parler de vous là. Donc, il va dire, mon cher, ça pendant longtemps. Et il dit, il était temps pour faire ça. Fait. Alors, organisation qui est censée être Heritage Foundation, Jean-Baptiste Point du Sap, Heritage Foundation, en lui-même, qui proposent avec plus fort l'argent qui c'est des Haïtiens. Et bien eux-mêmes, chaque année, ils font un événement, ils font un bail pour rendre Jean-Baptiste Point du Sap et hommage, pour un hommage. Et bien ils ont fait ça qu'on y a justement. Parce que si monsieur était vivant toujours, nous imaginons que monsieur a bien 278 ans, et cela, et dans la date, je parle avec nous là, demain 19 et 19 là. Monsieur Dap gagne 278 ans. Mais monsieur vive assez parce que monsieur au moins monsieur qui en vive. Et il fait en 1745 en Haïti. Et il n'y a pas qu'à jouer dans qui l'a précis. Mais on connaît que monsieur était dérapé dans les années 70. Donc c'était un jeune garçon qui était chargé avec et énergie. En années 70, c'est que là monsieur était pris en route là. Mais on n'a pas qu'à jouer exactement écrit que le fait pour dire. Et péripéties étaient passées, qui ont des difficultés étaient rencontrées. Mais chaque année, au fond, bah, on a hommage demain encore samedi. Demain samedi 19 août, là. Et l'organisation fait l'autre hommage pour lui. On a quelque chose pour nous parler avec l'organisateur et le monde qui est responsable de l'association. Parce qu'il y a plusieurs bagages qu'il a ici, là, qui sont pour avec Haïti. Haïti, ça veut dire que Chicago a une relation. Bonne relation avec Haïti. Par exemple, tu as un ambassadeur aux États-Unis en Haïti, Frédéric Douglas,
Monsieur Gon Pavillon là, il a fait exposition universelle. Et dans Chicago, c'était en 1893, parce que moi, je me suis toujours. Et bien, en 1893, il a fait exposition universelle là. Et bien, Haïti, c'est un pavillon qui a été réservé pour lui. Et Frédéric Douglas, qui c'est un ancien esclave, qui vient jouir de cette liberté. Et bien, monsieur, vient mettre liberté en jeu, monsieur, défendre Haïti. Il défend, il dit nous-mêmes, qui tout le monde a eu, alors, ma phrase. C'est pour ça que je te dis. Ils disent nous-mêmes, nous sommes signés en calibre, je dis, c'est grâce avec le peuple Haïti, grâce à eux-mêmes, qui fait que je dis à nous-mêmes, nous sommes libres pour nous parler, nous sommes libres pour nous faire débattre. C'est le fait de Douglas, le fait de Douglas, qui est un esclave, il est un écrivain, monsieur est un conférencier, et bien, monsieur était porté, monsieur Haïti, monsieur tout devenu un représentant États-Unis en Haïti, en parlant de Frédéric Douglas. En tout cas, et Frédéric Douglas, alors, dans l'exposition, hein, que ma bien chance pour me présenter, non, et pavillon, ça, qui est réservé avec le pays d'Haïti, côté que, et information, mais documents que je n'ai librairie, dans la bibliothèque congrès américain, parce que, rappelez que si nous faisons bagarre aux États-Unis, mais on va connaître l'histoire du pays d'Haïti, puis dans le congrès américain, pour dire. Si nous faisons vraiment ça, l'histoire d'Haïti, aller dans le congrès américain et allemander livre qui vient, ça qui est écrit, pas qui vient, document, et bien laissez-moi vous accuser et vous pouvez voir qui ça a édité et qui ça a édité et vous pouvez faire comparaison à vous-même. Donc voilà, c'est objectif visite ça, objectif ça, qui fait moi la jeudi. Alors, je peux remercier pour ce service et lui-même. Il est intéressé parce que ça fait déjà. Et nous sommes venus ici en 2021, nous sommes venus là en 2022, et même c'était Valérie Sénat qui est venu. Et je dis à moi-même, en retournant pour nous venir justement, et pour décoller avec l'organisation, pour décoller justement avec l'organisation, et justement parler de ça qu'elle fait, et qui j'en ai fait. Et puis l'organisation, ça a tout dit même tout, il fait d'autres activités, il a fait de l'argent, il a collecté, il a fait du fundraising, il a amassé l'argent. Pour bailler des bourses d'études, bailler des bourses d'études avec Timoun démunis ou Timoun qui n'a pas les moyens nécessaires pour soutenir l'école, mais les moyens économiques peut-être empêcher ça, mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Nous avons des sujets à tout avec M. Nicolas ou bien n'importe quelle organisation eux-mêmes qui peuvent venir parler avec nous de ça. Et puis je dis à tous ceux-là, nous avons fait une émission et radio sur télévision, que c'est l'économie là, nous avons fait pour nous faire là-bas. Et parler un petit peu de ce qui a passé exactement, qui a pu arriver là. Mais là, c'est vraiment, c'est une zone touristique. Tellement de monde, qui a passé, et parce que si nous avons une idée de penser que une grande circulation là, qui a fait là, ouais, c'est vraiment, par contre, si nous avons fait une idée au moins de circulation là, on va de mouvement captivité là, de ce côté en face, nous on a regardé le journal et Chicago Tribune. Alors, on va dire que je dis Chicago, bien, pratiquement tout ça, on a besoin là-dedans. D'ailleurs, je me rappelle, nous, c'est la troisième plus grande ville américaine après New York. Et qui est venu encore, nous songeons, Los Angeles, qui est en Californie. C'est la troisième plus grande ville. Alors, dans l'État Illinois, c'est plus grand ville qui gagne, plus grande ville là, c'est capital. État à tour de ces plus grandes villes là. Et puis, l'autre façade, encore, on a un seuil de gros gratte-ciel. Gros seuil de gros gratte-ciel qui est là. On a une autre idée encore sur le pont ça, une là. Alors, en bas, pour moi, c'est Fleur Chicago à passer là-dedans. Qui descend Calbino, hein. Donc, le baptisme du sable, c'est limé et on va pouvoir que le monde qui vient là, et puis le monde passé, il y a attention parce que c'est bon, on a souvent un bus qui s'ouvre sur le pont. Et tout le monde fait un petit campé, il lit parce que le petit gars qui est là, il est capable de lire, et bien il lit exactement ça, et qui est-ce qui est le baptisme du sable là. Soit chercher, faites une recherche par nous, et bien on a besoin exactement, monsieur, ça. Bus ça dans Gaden là, que c'est un lot haïtien américain qui t'a offert Villal et mon qui t'a fait bus ça lui-même, monsieur
et mon qui fait villa lui-même alors les Benodin lui-même c'était qui était au fruit villa et ben et lui-même il était fait tout ça fait qu'on est pour justement que tu quatre jours Kembe et Kembe legacy ou bien Kembe héritage et je sais pas si vous savez pour fondation du côté non li alors on t'a pas un de Chicago qui gagne tout ça que il y a dans la ligue de football chez Chicago Fire et qui fait le ballon l'équipe football de Volcarito c'est Chicago Bear il gagne que il gagne équipe basketball nous appelons fameux Michael Jordan Chicago Bulls et c'est ici à Fresno on a quitté briller dans l'année 90 avec Chicago Bulls et alors Michael Jordan Scottie Pippen et pour citer ça 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 passe tellement longtemps que Dennis Rodman et je sais pas meilleur jeune équipe là même si c'est on j'ai contribué dans côté et contribution bien tout titre que l'équipe là t'a remporté alors que Becky Michael Jordan avec Scottie Pippen avec l'autre monsieur c'est ça c'est venu d'être là et bien c'est vite ça que nous parlons de lui un petit peu et n'a besoin de monde qui vraiment savait dans le domaine là c'est vraiment des gens qui capable parler un petit peu m'a pas campé là moi merci tout le monde je dis à rappeler c'est week-end je dis à c'est vendredi et puisque c'est week-end nous on est qui bah nous pas café nous pas conduire ça après nous finir consommer alcool et tous si nous consommer alcool nous pas conduire machine donc c'est un non lié pas gain négocier non ça vous voulez conduire machine. Politicien pas qu'à marcher. Why, mama?